Coucou YouTube, salut les budgetteuses et les budgetteurs, bienvenue sur le budget Natou. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la clôture de mon mois de mai. Oui, parce qu'en fait c'était un mois à 5 semaines et que moi je fais mon mois à 4 semaines. Mais comment va-t-elle faire la semaine prochaine? Ben on va en parler. Alors, j'ai une voix un petit peu qui déraille. Les allergies, voilà, je suis allergique à plein de choses. Le pollen, les poils de chat, etc. Et à cette période-là, c'est une catastrophe pour moi. Bref. Pour celles qui l'ont vu, j'ai mis un petit commentaire sur YouTube. J'ai eu en cadeau une petite cricket. Je voudrais vous la montrer. Alors, regardez pas le bazar, hein, parce que, bah oui, forcément, je suis en train de créer, je suis en train de faire la vidéo. Donc, sur mon bureau, c'est un bordel. Voilà, elle est ici. Du coup, on a fait des petites planches pour ranger tout ça. Voilà, je vais aller à Action tout à l'heure pour aller acheter des boîtes. Voilà ma petite cricket. Donc, j'ai commencé à faire pas mal de créations. Donc, il va y avoir des nouveautés dans mes ventes. Voilà, je ne vais pas créer que des enveloppes ou des défis comme je faisais. Je vais créer d'autres choses. Vous allez voir, hein, c'est en prépa. Je suis en train, j'ai fait passer pas mal de petites commandes sur certains sites pour avoir du matériel nécessaire pour pouvoir vous proposer tout ça. Et peut-être que dans un futur proche ou un futur lointain, je pourrais vivre de ça, ce qui serait pour moi l'idéal. Comme ça je pourrais me consacrer à 100% à ça. Là je vais reprendre le travail lundi, pour ceux qui ne savaient pas et qui viennent d'arriver. J'avais démissionné d'un travail, c'est un peu compliqué, il y en a plusieurs avec lesquels ça n'a pas fait, et j'ai retrouvé autre chose. Je commence donc du coup lundi. Voilà. Alors je voulais quand même vous montrer, ça va partir aujourd'hui, donc je voulais quand même vous montrer les nouveautés. Donc là, vous avez le défi des chakras. Donc voilà. Donc moi, j'avais eu l'idée d'une autre enveloppe, hein, d'une autre déco. Mais comme vous le savez, je fais sur demande et sur mesure. Et ma petite abonnée, elle voulait autre chose. Voilà, donc c'est normal. Je lui ai fait comme elle le souhaitait. Et après, j'ai créé ça. Ça lui a plu, donc pas eu besoin de changer. Sauf j'ai rajouté quelques phrases à l'arrière. Il manquait quelques petites choses pour elle. Donc, vous avez le chakra sacré. Donc, en fait, pour celles qui connaissent, hein, vous avez du coup cette enveloppe pour 7 chakras. Donc, tous les chakras sont indiqués en haut. Vous avez la petite pastille à gratter. C'est à venir, hein. J'ai fait d'autres manières. Donc là, vous avez qu'une somme, mais je suis en train de préparer, donc avec un autre design, d'autres chiffres, et ils seront du coup cachés. Voilà, j'ai reçu d'autres petites pastilles de plein d'autres couleurs différentes, et donc ça va être remis de d'autres manières. Vous allez voir, je suis en train de travailler là-dessus. Donc il n'y aura pas qu'un chiffre, il y en aura donc plusieurs, et ça vous servira comme ça plus longtemps. En sachant qu'une fois que le chiffre il est gratté, hein, vous pouvez racheter des pastilles et les refaire, ou vous pouvez aussi également le refaire sans cacher, hein. Enfin, je veux dire, ce n'est pas perdu. Voilà. Ensuite, derrière les petits trackers, vous avez du coup la petite phrase du chakra. Hein, voilà, celle-ci, elle est positionnée comme ça. Elle ressemble, elle correspond du coup à celle qui m'a passé la commande. Voilà. Donc vous en avez plein, hein, je ne vais pas tous vous les montrer, voilà comment c'est fait. Là c'est ça va, je vais vous montrer les prochaines créations que j'ai faites. Pour le moment, je suis encore en attente parce que je suis toujours en attente de recevoir mes feuilles. Donc là j'ai acheté des feuilles, mais j'ai eu du mal à trouver les feuilles que je prends habituellement. Donc j'ai créé en 160, c'est énorme. Donc je peux vous dire que les créations, elles sont c'est du costaud, hein, c'est du solide. Voilà pour cette petite création qui va bientôt partir. D'ailleurs, je vais la laisser ici. Vous avez pour la même abonnée, parce que c'était une création du coup spéciale spiritualité.
Donc je lui ai créé trois petits trackers. Donc vous voyez, hein, par rapport à ce que j'avais créé, ils sont plus petits. Voilà, ce n'est pas des enveloppes, c'est des trackers, hein, attention. Avec du coup les mots, chakra, spirituel et étoile. Et je voulais faire une parenthèse là-dessus parce que j'ai eu un commentaire extrêmement désagréable, insultant. Voilà, donc cette personne est. J'ai bloqué ses commentaires. Hein, donc elle peut venir voir mes vidéos, hein, mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle viendrait voir mes vidéos, étant donné que sa critique était désobligeante. Enfin voilà, c'était. Ça m'a quand même pas mal travaillé, je vous avoue. D'ailleurs, j'avais mis un commentaire extrêmement long sur la communauté, sur ce point. Donc je voulais faire une petite parenthèse rapidement et je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Si vous êtes, comment dire, des personnes aigries et que vous êtes constamment dans la critique et vous venez sur ma chaîne ou d'autres chaînes budgéteuses, hein, je dis pas, hein, pour critiquer, pour diminuer les gens, pour les insulter, vous n'avez rien à faire ici. Voilà, clairement, je ne veux pas d'une personne comme ça sur ma chaîne. Ma chaîne, elle est bienveillante. Vous pouvez vous en aller. Alors oui. Effectivement, il y a d'autres créatrices budgéteuses qui ont créé, qui ont fait, pardon, qui n'ont pas créé, qui ont fait ce système-là, le système avec les prénoms, voilà. Et alors, je veux dire, ça a été créé, la plupart, certains défis ont été créés par des budgéteuses qui n'ont pas de chaîne YouTube, qui sont sur Etsy, donc certaines avec qui j'ai communiqué. Et c'est leurs défis ont été repris et c'est pas pour autant qu'on a insulté les budgéteuses qui l'ont fait. Voilà. Malheureusement, les défis concrets, malheureusement pas pour moi, hein, c'est pas, ça me dérange pas. Les défis concrets, on n'a pas déposé de brevet, hein, pour ces défis-là, donc ils peuvent être repris à volonté. Et j'ai envie de dire, et même s'ils sont repris, ça reste du unique, parce que je suis désolée, mais mes créations, ça reste mes créations. C'est pas parce que d'autres font ce système-là que forcément je copie sur les autres. En aucun cas. Ça reste ma création, ça reste unique. C'est mon style à moi. Donc ce genre de comportement et de propos insultants, c'est non en fait. Parce que je suis pas là pour ça, en fait, je suis pas là pour en prendre plein la tête, je suis là pour partager avec vous, pour être bienveillante, pour créer et pour vous en offrir. Effectivement, il y en a que je mets pas en gratuitement sur mon drive, qui s'en frustrent certaines, mais il y a des créations que je fais qui me prennent énormément de temps et qui bien mènent. C'est mon choix à moi, en fait. J'ai pas à m'obliger, en fait, à les mettre sur mon drive si j'en ai pas envie. Et de toute façon, à un moment donné, ils viendront sur mon drive parce que je vais tourner un petit peu et que je vais en remettre d'autres sur mon drive gratuitement pour vous. Donc voilà. Et que moi, alors, les propos qui m'ont un peu plus dérangée, c'est que je suis une personne sans personnalité, que tout ce que je crée, je le copie sur les autres. Voilà. Et je vous en passe, hein, encore d'autres. Hein. Alors en aucun cas, parce que je pense que j'ai fait pas mal de créations qui sont uniques. Et que d'ailleurs tout ce que je crée est unique, hein, même si vous avez déjà vu un peu les défis ailleurs, ça reste mes créations à moi, donc elles sont uniques. Et que j'ai créé, dis-moi oui, les défis de l'amour, etc. Et que ça n'avait pas été vu, le défi des 9 mois également. Et que ces défis-là ont été repris. Et par des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont demandé mon avis. Mais alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas déposé de brevet pour ces défis. Et si vous avez envie de les reprendre, mais allez-y, faites-le. En fait, ça me fait plaisir de voir que ce que je crée, eh ben, ça plaît et ça donne envie aux personnes de reprendre mes défis. Bien sûr que ils resteront uniques, vos défis. Bien sûr que c'est mon style à moi parce que c'est moi qui ai eu cette idée. Je pense que d'autres l'ont eu aussi avant moi mais qu'ils ne l'ont pas fait. Mais en aucun cas, ça sera mon défi à moi parce que ça sera votre style à vous. Vous aurez mis vos images à vous, vous aurez mis, je sais pas, des textes différents. Bref, peu importe. Donc, faites-vous plaisir. Désolée, si vous entendez miauler, c'est mon chat. Chut. Donc du coup, ça me pose pas de problème. Voilà, c'est un petit aparté pour vous dire ce petit souci que j'ai eu et que ça m'a un petit peu blessée. Bon, ça y est, c'est passé, hein. Mais voilà.
Donc, chacune fait comme elle veut. Enfin, chaque créatrice fait comme elle veut. Je n'ai pas jugé les budgéteuses qui sont sur YouTube ou celles qui sont en dehors de YouTube. Hein. Je ne juge personne. Je ne suis pas là pour ça et en aucun cas, de toute façon, je me permettrai de le faire. Donc voilà. Donc, j'aimerais bien que ça soit dans les deux sens, en fait. Voilà. Que les personnes qui viennent sur ma chaîne et qui sont abonnées ou pas restent bienveillantes. Voilà. On revient sur la petite création. Donc, du coup, les chakras, spiritualité, étoiles. Vous avez la petite enveloppe qui va avec. Donc, ça, je lui ai offert hein, parce que bon, c'était aussi un test pour moi. Hein. Et du coup, ça me plaisait énormément. Donc, je lui ai mis dans sa commande parce qu'en même temps, c'était une commande qui était assez grosse. Hein. Il y avait quand même pas mal de choses. Donc, du coup, c'est normal de lui offrir certaines choses. Bon, ça donne ça. Moi, je trouve super joli. Hein. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'adore. Voilà. Et là, du coup, j'ai eu une très grosse commande aussi. Donc, je me suis permis aussi d'offrir quelque chose, quelques trucs à mon abonné qui m'a passé commande via mail. Vous pouvez envoyer des mails hein, si vous n'avez pas Instagram. Il n'y a pas de souci. J'ai pas mal d'abonnés qui me passent commande par mail. Donc, je lui ai fait une petite enveloppe en 5 et du coup, elle m'a passé une commande sur un thème voyage paradisiaque. Donc, voilà ce que ça peut donner. Du coup derrière, c'était pas prévu, mais j'ai eu envie de le faire. J'ai mis plein de petites couleurs différentes qui correspondaient un petit peu à l'image qui était derrière. J'ai mis sur certains des petits stickers que j'ai fait avec la Cricut. Je les ai pas mis sur toutes parce que forcément c'était pas prévu. Je lui ai fait cadeau et ça coûte une certaine somme. Voilà, les petits papiers pour la Cricut. Donc du coup c'est en enveloppe. Voilà, là aussi je lui ai offert son petit prénom dessus. Je trouve ça super joli. Et voilà. Et du coup, la petite création, elle est prête à partir. Il manque plus qu'une enveloppe. C'est pour ça que je vais à Action, parce que je n'ai plus d'enveloppe. Et puis, elle m'a passé une commande pour des choses que vous avez déjà vues, donc je vous les montrerai pas. Voilà. Du coup, on va y aller. Alors, on va venir prendre les petits. C'est pour cette semaine, c'est ça. Alors, cette semaine. Les dépenses ont été rapides, comme d'habitude. J'ai fait attention à ce que j'ai dépensé. Donc, dans alimentation, on avait 60 euros. On en avait pour 120 euros. Non. Notre budget de 120 euros. Je vais y arriver aujourd'hui, hein. Notre budget de 120 euros et on en a eu pour 140 euros. Du coup, j'ai dépensé 70, j'ai mis 60 euros, en espèces et 10 euros en cartes. Je vais vite revenir, je vais récupérer. Non, je le ferai après. On fera le point après. On va tout enlever déjà. Dans essence, il reste toujours les 30 euros. Voilà. Dans resto, n'importe quoi. Si, dans resto, il fait trop vite. Dans resto, vous savez, je vous l'avais dit, j'avais dépensé un petit peu plus. C'est pour la première semaine. Du coup, on n'avait que 15 euros dans cette enveloppe-là. J'ai retiré 5 euros pour mettre dans un défi. Il me restait 10 et on les a utilisés. On a été dans un resto. Alors, je ne vous cache pas, on a eu pour plus de 100 balles et j'ai donné 10 euros. C'est monsieur qui a payé. Donc, franchement, je suis gagnante. Et voilà. Voilà. Donc, ok, c'est bon. Dans shopping, eh ben, je n'ai pas dépensé. Je vais à l'Action tout à l'heure, mais je vais payer avec la carte de l'entreprise parce que c'est des achats pour le boulot. Ensuite, divers, je n'ai pas dépensé. Il reste les 10 euros. Et le dernier, c'est maison. Il reste 10 euros. Donc, du coup, on a 70 euros d'économisés. Voilà, vous le savez, je vous l'ai dit, ma semaine, mon mois est sur 4 semaines, donc je ne remplis pas le reste. Par contre, pour les courses, parce qu'il faut bien manger, je vais aller dans mon enveloppe fonds de secours et je viens récupérer les 60 euros. Alors, épargne, cinquième semaine. Du coup, je viens prendre les 60. Hop, hop, je les mets dedans. Je vous montre en même temps. Voilà. C'est OK pour moi. Donc, du coup, mon portefeuille est rempli au moins pour les courses. Pour ce qui est des sorties, ce n'est pas prévu au programme. Étant donné qu'en plus, le mois prochain, ça va être
Ric-trac, ça va être un petit peu compliqué. Du coup, tac, 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 on retire tout ça. Hop. Habituellement, je ne le fais pas avec vous, ça. Bon, c'est pas grave. Voilà, hop, on nettoiera mieux la prochaine fois. Du coup, je retire les 120. Je note que j'ai 60 euros et plus 120. Voilà, pour ce classeur-là qui est OK. Et on va venir du coup dans les défis. Donc moi, j'ai préparé, je vous montre quand même ma petite fiche. Donc vous voyez mes prévus. Pardon, prévu, course, essence, restaurant, shopping, hiver. Donc on avait prévu pour cette semaine 160. J'ai dépensé en réel 95 euros parce que je note quand même que la première semaine du mois, j'avais quand même pris. Donc je ne l'avais pas noté sur ma première semaine. Donc il faut bien que je note quelque part. Donc du coup, on a dépensé 25 euros dans l'enveloppe restaurant. Et j'ai noté également que du coup, j'ai dépensé 10 euros en plus en course, que j'ai eu l'essence, non pas l'essence. Là, je me suis trompée parce qu'en fait, il reste plus. Donc, shopping, il y a 20, d'hiver, il y a 20, 10 et maison, il y a 10. Bref, il reste bien 70 euros en tout cas. Et que du coup, en restaurant, il me restait 5 euros, mais je l'ai mis dans des filles. Donc voilà, donc on va venir récupérer la petite fiche pour les prévisions parce que du coup, vous voyez bien que j'ai mis des choses en rouge. Ce sont des choses que je ne vais pas pouvoir faire ce mois-ci. C'est pas grave. Ce qui est le principal, c'est que j'ai quand même pu en faire déjà pas mal. Je m'en sors bien et vous allez voir que pour l'économie du mois, j'ai bien géré. Voilà. Alors, du coup, je pense que je vais changer un petit peu mon suivi et que je noterai plus en virtuel ce qu'il y a sur mes comptes. Parce que déjà, à la French Bank, j'ai appris à la poste que la French Bank, elle est souvent. La French Bank, je vais y arriver, elle est sûrement fermée. Donc c'est un petit problème pour moi, parce que j'ai quand même mis quand même pas mal de sous dessus. Et puis on fera un point, je pense, en fin d'année. Parce que du coup, bah vous, ça vous enlève un petit peu la surprise. Voilà. Défi des 52 semaines. J'ai pas prévu de sortir ça. On va le sortir. Il y a 2 semaines à faire parce qu'il y a aussi la semaine prochaine. Donc je vais sortir mes 2 semaines. Et je ne vais pas mettre beaucoup parce qu'il reste que 70 euros. Donc vous allez voir que du coup, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire tout, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc, on met 10 euros dans une. Voilà. Je vous le dis tout de suite, le mois prochain, je ne sais pas trop où je vais. Il va y avoir du changement parce que je viens de recevoir le jugement pour mes garçons et ils me demandent une grosse somme pour. La pension, je ne comprends pas comment ils ont calculé ça, étant donné que mes revenus, c'est une catastrophe. Donc je ne sais pas trop, le mois prochain, de toute façon, je ne peux pas donner, c'est sûr, hein, je n'ai pas de revenus, hein, donc ils peuvent venir chercher, il n'y a pas. Voilà. Et puis après, si j'ai bien compris le jugement, ça sera pris sur la CAF. Donc ça ne nous changera pas grand-chose, enfin si, un petit peu quand même. Donc les 2 enveloppes sont faites. Voilà, donc je ne vous montrerai pas mon budget planner pour le mois prochain en tout cas, parce que du coup, je n'ai rien fait encore. Je ne sais pas où je vais. Voilà. Du coup, on vient prendre, on note que c'est fait. Voilà. Donc pour le défi des 52 semaines, je suis à jour. On a le défi 2024, il me manquait 2 euros. Donc je vais faire quelque chose parce qu'en fait, je n'ai pas de monnaie. Et j'ai voulu faire la vidéo avant d'aller à Action. Je me suis dit, tant pis, je paierai avec la carte d'entreprise. Donc j'avais eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 euros. Donc je vais mettre les 10. Voilà. Donc on est à 120 plus. J'ai fait quoi? Oui, c'est ça. Plus 2. On est à 120. Voilà. Hop, j'ai pas récupéré mon petit
de chez Coco. On va le mettre là. Hop, je vais venir récupérer ce que Coco m'avait envoyé. On va le mettre dedans. Hop, je vais le mettre ici même pour ne pas l'oublier. Donc du coup, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 120 euros. Donc là, on est bien. Si j'ai besoin, je sais que je peux acheter de la monnaie là. Ça, c'était fini. Là, c'était pas prévu. Et du coup, j'avais dit quoi, moi? Du coup, on va noter que on a fini le défi 2024. Il est réglé. On va venir... ça, c'est fait aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Le défi lune. Le défi lune qui est là. Hop, le défi lune, il me manquait du coup 3 euros. Eh, mais je n'ai pas 3. J'ai 4. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Pour le... 3, 4... Bah tant pis, il me restera 1 euro à mettre... enfin, au lieu de mettre 22 le mois prochain, je mettrai 21. Voilà. Donc du coup, on fait ça, on fait plus 4 et on est à 48. Donc le défi lune, il est réglé. Voilà, on vient cocher qu'on l'a fait. Hop. Alors, au final, je m'en sors bien hein, parce que ce qui est en rouge, quand je fais deux croix, c'est que j'ai pas pu le faire du tout. Mais dans le défi princesse, j'ai quand même pu mettre 10 euros sur 30. C'est quand même bien. Dans le défi shopping, j'ai quand même pu mettre 10 euros sur 20. Et dans le défi beauté, j'ai quand même pu mettre 10 euros sur 20. Hein. Franchement, c'est limite du perfect, quoi. J'ai limite pu mettre ce que je voulais là-dedans. Par contre, dans les prévisions, vous voyez que j'ai pas pu mettre dans voiture, j'ai pas pu mettre dans fonds de secours, j'ai pas pu mettre dans maman en famille et j'ai pas pu mettre dans impôts. Hein. Voilà. Donc du coup, là, on va fermer. On viendra après, peut-être, s'il me reste de la monnaie. On va venir dans les anniversaires des filles. J'avais dit que je mettrais, du coup... Est-ce que j'ai de la monnaie? Parce que du coup, là, j'ai un petit souci, c'est que j'ai pas de monnaie. Oui, on va faire ça. Où est-ce que je l'ai enlevé, ça? Ici. Voilà. Il y a 40 euros dans cette enveloppe. Donc, du coup, on va mettre 50... On va mettre 10 euros, pardon. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, 10 euros. Hop. Du coup, on vient récupérer le tracker et on vient mettre 10 euros. Donc, on est à 50 là-dedans. Le mois prochain, je ne suis pas sûre de pouvoir mettre. Donc, du coup... Après, c'est pas grave, hein. Mon budget de base, il était de 50 euros. Je voulais le faire gonfler à 100 euros par enveloppe parce qu'on va peut-être leur faire faire leur anniversaire. Mais si c'est pas, si je mets pas 100 euros, j'ai déjà mes 50. Hein. Donc, bon, c'est très bien. Voilà. Et leur anniversaire, c'est en juillet. Donc, on est plutôt pas mal. Parce qu'on est au mois de mai. C'est parfait. Voilà. Pour ça, tac, 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 tac. Hop, ici aussi, on vient mettre les 10 euros. Hop, on note que c'est la quatrième semaine, plus 10, et on est à 50. C'est bien ça. Tac, 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 tac. Voilà pour les anniversaires, c'est réglé, donc je suis assez contente si j'y arrive. Franchement, c'est cool parce que ça, c'est quand même important. Alors, les filles, c'est réglé, je n'ai pas mis, j'ai mis 40, donc on est bon. Et Noël, je vais l'effacer aussi parce que je vais mettre dedans. Les 20 euros restants, ils vont dans Noël. Donc, c'est cool.
Donc, vous voyez, j'ai pu faire anniversaire, j'ai pu faire Noël, voiture non, vacances, j'ai pu mettre quand même 30 euros, donc c'est quand même bien sport, j'avais bien mis les 10. Ça, c'est pas négligeable, il faut absolument que je les mette à chaque fois. Donc, Noël, on revient et on remet les 30 manquants parce que c'est 50 euros par mois. Enfin, je pense que le mois prochain, je ne vais pas pouvoir, mais on verra bien hein, comment ça va se passer mes semaines, mais je doute fortement. Alors, plus 20 et on est à 250. Voilà, c'est dégoûtant ce stylo. Je continue à m'en servir alors qu'il fait tout cracra. Voilà. Pour ça, j'ai bien 250 là-dedans. Je doute. On va regarder. On va faire ça ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 200. 1, 2, 3, 4, 5, 250. Si, bah si. Je croyais qu'il y avait plus, mais c'est parce que c'est que des petits billets. Il n'y a pas de billets de 50. D'ailleurs, c'est bien, ça me fait de la monnaie. Voilà pour ça. Donc, du coup, ça c'est réglé. Ça c'est cracra, ça c'est fait, hein, vous avez compris, hein, du coup en rouge, c'est ce que j'ai pas pu faire. Mais c'est très bien, je trouve, je suis assez fière de moi. Donc du coup, il nous reste deux pièces de deux. Qu'est-ce que je fais? On va retourner dans le défi. Et est-ce que j'ai 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais retirer le 6, le 4. On est avec du vert. On vient 6 et 4, ça fait 10. On vient du coup mettre 10. Et du coup, je viens mettre les 4 euros qui me restaient. Tac, qui sont là. Les 4 euros, on vient les mettre ici. C'était pas prévu, mais c'est très bien. Comme ça me fait un petit peu continuer mon défi. Et du coup, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 euros. Donc, on est bien. On est pas mal. Donc, on vient rajouter qu'on a mis pour le mois de mai un dépôt plus 4. On est à 97. 97 euros. C'est parfait. Franchement, c'est cool. Ça grandit bien. Je pense que je suis à jour dans les défis. C'était le principal. C'était ce que je voulais. Ah oui, et puis je voulais vous dire aussi, du coup, le défi Cricut, vu que monsieur m'a offert une Cricut, la dernière, en fait, dernière génération, je le garde. Donc là, il y a 10 euros dedans. Et ça me servira, en fait, pour acheter du matériel. Donc, tout ce qui est feuilles et tout, ça se paye, hein. Donc, voilà. Donc, je garde les 10 euros ou je le remets à niveau et je vais récupérer les 10 euros. Je vais les mettre dans mon portefeuille. Aujourd'hui, comme je vais acheter du matériel pour... Je vais m'en servir et je remets ça à zéro. Et j'essaierai de mettre à peu près 30 euros par mois, voire un petit peu plus si c'est possible, pour acheter du matériel. Voilà. Là, je repars à zéro. Là, du coup, ça sera plus défi Cricut pour acheter, mais ça sera pour acheter du matériel Cricut. Voilà. Et du coup, je fais quoi? C'est quoi ça? Ça vient d'où? Peut-être ici, je sais pas. Et bah, tant pis, on va le mettre là. Voilà, mesdames. Écoutez, si vous avez des questions, que vous avez envie d'une création sur mesure, n'hésitez pas à venir vers moi. Oui, je reprends le travail lundi. Oui, là actuellement, les créations, comme vous me les commandez, j'essaye de vous les faire partir en 2 jours. Là, ça sera plus le cas. Mais ils partiront quand même assez rapidement. Voilà, je ferai en sorte qu'ils partent rapidement. Et puis moi, ça me fait plaisir, ça me fait travailler aussi. Et vous allez voir, je vais recevoir d'autres choses. Je vais vous faire plein, plein de trucs. Alors, ça pourra être aussi pour votre vie personnelle, hein, mais il y aura quand même pas mal de choses encore sur le budget.
mais différemment. Donc j'ai hâte de vous montrer mes idées. Voilà, ça fuse dans ma tête. De toute façon, j'ai toujours été comme ça. Donc j'ai hâte. On va faire un petit point vite fait sur Planer. Le planer, du coup, sur Plume, vous allez voir en rouge, et ben c'est que normalement j'avais compté 70, je suis déjà à 78,48, il y a encore une semaine qui n'est pas passée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, rien, en fait, hein, au final. Au final, il n'y a rien. Si je vous ai noté que j'avais fait une belle, quand même, une belle économie de 300 euros. Donc, moi, je suis assez fière de moi. Merci, merci, merci. Voilà, et là je me suis trompée en fait, j'ai dépensé 95 et pas 85 parce que j'avais pas compté les sous, donc du coup c'est 25 et pas 15. Voilà, donc je suis assez fière de moi quand même, je suis quand même bien débrouillée ce mois-ci. Bah là vous allez voir qu'à partir du mois prochain on aura l'abonnement Cricut qui sera à 9,99 parce que j'avais pris un monsieur voulait que je le prenne, donc voilà, ce mois-ci c'était gratuit, à partir du 16 eh ben je paierai 9,99. Voilà, on a fait le tour, on est déjà à 31 minutes en même temps. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos, des idées de création, s'il y a des choses que vous auriez envie de voir, que je vous propose un petit peu tout ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait, à écrire un petit message, même si c'est un petit bonhomme qui sourit, un petit cœur, une petite fleur. Ça aide ma chaîne à grandir. Et puis, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. On est à 900, je ne sais pas, 910 peut-être, je ne sais plus. Et il reste peu de temps avant le vieux concours des 1000 abonnés. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je me bouge un petit peu pour vous concocter des jolis lots. Et il va falloir vraiment que je me lance là, que je fasse les choses, parce que bah du coup, j'ai préparé certaines choses, mais j'ai pris du retard. Donc, il va falloir que je le fasse rapidement. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un super week-end. Profitez bien, normalement, ce week-end, il devrait faire beau, enfin, en tout cas, vers chez moi. Vers chez vous, je ne sais pas. D'ailleurs, dites-moi, j'aimerais bien savoir en bas les départements où vous êtes, ça serait bien. Voilà. Ou alors, je sais que j'en ai qui sont de Belgique, j'en ai qui sont de La Réunion, donc, ôté comment il est. Voilà, parce que moi aussi, mon papa est réunionnais, donc voilà. Et puis, je crois aussi que j'en ai une qui me suit du Canada, donc plein de bisous. N'hésitez pas à mettre d'où vous êtes, ça serait cool un petit peu qu'on se partage un petit peu nos petits moments à nous, de savoir d'où on est, le temps qu'il fait, s'il pleut, s'il fait soleil, s'il neige, je vous le souhaite pas. Voilà, bon, prenez soin de vous, à bientôt les filles, salut.